Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 11 sur Resident Evil 5. Dans la dernière vidéo, on avait fini, je crois, le chapitre qu'on était en train de faire. J'avais fait une petite partie en off parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, on tombait alors soit sur deux Magini à la tronçonneuse en même temps, suivant si on les faisait popper. Mais on pouvait également les faire popper un par un et s'en occuper. Alors déjà que un Magini à la tronçonneuse, c'est pas évident à se défaire, surtout qu'on est vite à court de munitions dans le jeu. Eh bien, les deux en même temps, c'était quasiment impossible. Et vu que il est vrai que je joue pas non plus extrêmement bien, faut quand même l'avouer. Eh bien voilà, on avait fait ça en off, on avait retrouvé Josh, également dans la dernière, dans le dernier segment du jeu, on avait, enfin, on devait le couvrir pendant qu'il débloquait les portes, mais on a été assailli par pas mal de Magini, etc. On a vu le bateau de Irving qui s'est échappé, et là on est, je crois, à sa poursuite. Alors on y va, le champ pétrolier, installation de forage. Donc nous sommes bien dans le champ pétrolier puisque c'était l'objectif voilà, de retrouver ce champ pétrolier puisque c'était là où on devrait bah, retrouver Irving et c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau à acheter parce qu'on n'a pas encore vu les choses. On a le Magnum. Ah oui, c'est vrai, bah oui, bah, dans tous les cas, on l'avait déjà trouvé. Mais c'est vrai que maintenant, on peut acheter le Magnum pour avoir des munitions, mais là, on n'a pas assez, parce que de toute façon, 4000, ça fait un peu cher. La matraque électrique qu'on avait déjà vue, mais de toute façon, on n'a pas assez d'argent, et comme je vous le disais, de toute façon, c'est une arme que je n'ai jamais achetée. Ok, très très bien. Ah, bah attendez, il y a un truc aussi qu'on peut faire, que j'ai pas pensé, c'est améliorer les munitions. Ah ouais, mais ça coûte 3000. Ah, ils sont malins, parce que pour toutes les autres armes, entre guillemets, de base, ouais, c'est toujours 500, vous voyez? Et là, pour le Magnum, vu que c'est... Bon, d'un côté, c'est un peu logique, hein, c'est l'arme la plus puissante du jeu, mais quand même, ça coûte 3000, juste pour recharger l'arme, ouais. D'accord. Bah, très bien. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Rien. On va garder tout ça, du coup. Okay, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on s'organise? On a quelques munitions à droite à gauche pour tout le monde. Des munitions. Ah, par contre, elle a pas de munitions de pompe, Sheva. Mais de toute façon, on n'a plus d'argent. Eh bien, c'est parti. What happened to Irving? Ah. Well, he can't have gone too far. Josh. Thanks. Right, pick me later. We got company. I'm on it. Got you coming. Et voilà comment ça repart. Mais non. Ah ok, d'accord. It's gross.
what you can do to get it open. You grab it. Avant d'actionner le truc. Voilà, ça je l'ai vu. Avant d'actionner le petit truc, on va aller récupérer le petit tonneau. Parce que j'ai pas fait attention. Voilà. Alors oui, on s'est fait un peu toucher, hein, mais c'est pas bien grave. Hein. Enfin, pour le moment, hein, on est pratiquement midlife, mais ça va encore. Ah, il y en a encore. Voilà, ok, parfait. On va laisser ça. Ah. Mais non, mais...
Oh là là, comme par hasard. Ok. Alors j'ai pas trop parlé durant ce passage parce que voilà, fallait se concentrer un peu. Don't do it!
Et voilà Irving qui s'est injecté le... Donc là on peut utiliser les tourelles. Ah d'accord. Something that undergoes such a rapid transformation must have weakness. Ah, mais il faut utiliser celui-là. Suis-je bête? Ah, mais il faut... Ah! J'ai rien dit. Qui envoie Roger.
Et voilà. Irving défait. Tell me what you're planning to do. Damn, Excella! I guess I wasn't worth the good stuff. Excella? Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? You say yay. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! You're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them... Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Now what? We keep going. Et voilà la fin de ce chapitre 3-3 avec la défaite de Irving. Bah voilà, il nous a dit de nous rendre dans des grottes. Bon, on verra. Mais apparemment, il a l'air de connaître Chris. Bon, en tout cas, il a déjà entendu son prénom. Chose assez... assez bizarre, hein. Mais vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le scénario, évidemment. Alors, ah, on s'est quand même refait un petit peu au niveau argent, donc ça c'est bien. On va améliorer ici. Oh, par contre, ça commence à monter là. 1000 là. Ok. Et on n'a pas assez. Donc. Ah oui, mais là j'ai 140, donc je peux bien lui en donner un petit peu. On va partir comme ceci. On va partir comme ça. Je crois que ouais, on a fait un peu le tour. Hein. On n'est pas trop mal. Et on peut acheter une nouvelle arme. Le M3, c'est un nouveau fusil. Il a 300 de puissance. Alors que de base, le Itaka, il a 200 de puissance. Mais vu qu'on a amélioré nos armes. Améliorer. Ah, ça passe de 300 à 330. Ah, et celui-là il serait plus puissant. Parce que si ça on le vend. Ah, on le vendrait 2002. Ouais, mais 2002, mais ça, ça coûte 4000. Donc, on aura assez pour en acheter. Bah, pour acheter. Hein. Mais en termes de munitions. Ah, par contre, en termes de munitions, il en a que 5. Bah, c'est bête qu'on puisse pas avoir un descriptif de l'arme avant. Bon, écoutez. Allez, on est parti comme ça. He was talking about. That's the boat the woman used to get away. So, you two are really going to go through with this? Yes.
This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Et chapitre 4-1, les grottes. Mais on verra ça évidemment la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez bien les notifications pour être au courant de la sortie des vidéos et des lives. Je vous rappelle que vous avez d'autres let's play présents sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ciao.